Ça a fait comment nous y est. Bienvenue sur la plateforme Léona Show. Je dis à la moi ensemble avec moi là, Renel. Renel, son nèg qui voyage dans plusieurs pays déjà. Je dis à la nous croiser dans le Mexique, côté nous allons faire un bel dialogue. Monsieur gagne une belle trajectoire. Nous allons croiser dans le Mexique, nous n'avons même appartement. Non, Mexique, nous croiser, monsieur. Bon, Mexique, nous y est là. Nous allons croiser dans le Mexique. Mexique, nous croiser, monsieur. Si c'est pas dans le Mexique, nous étions Monterrey, ok? Nous habitons dans le même édifice. Et dans dialogue, monsieur, tu as pas mon petit aperçu de tout trajet qu'il fait avant de arriver ici. Là, alors, je dis à la, nous décidons de faire un bel dialogue. Renel, qui nous complète? Charles Renel. Charles Renel. Si. Comment sorti Haïti? Moi sorti en département la Tibonite, commune Verret. OK. Combien temps gagne de pour quitter Haïti? Combien années gagne? Mon cher, quitter Haïti en pile temps. Parce que premier voyage que je fais, d'aller la Dominique. Depuis quelle année? Moi passé mal la Dominique depuis 2018. Je crois. 2018, ou aller la Dominique. OK. Là, je fais la Dominique. Je fais un petit temps à la Dominique. Pendant que je fais un petit temps à la Dominique, après ça, la Dominique était un petit gens. Tu as un gros problème, tout. Comme ce gens est Haïti, tu as un gros problème gouvernement, tout. Qui t'a un problème. Parfois, et même, j'entends que l'Europe de Haïti a une opposition. Après l'opposition, il y a une opposition. Comment on dit ça? Gouvernement opposition. C'est mes gens qui viennent à la Dominique tout. Gayoun qui coûte gayoun. Qui pour? Qui pour? Youn pour fou ya. Quand y a là, tu viens gay problème, j'ai des travail bagaille ça yo, viennent pas commencer travail viennent commencer diminuer. Majorité haïtien quitter l'autre bois, tout quitter la Dominique. Sakal Guadeloupe. Sakal Guadeloupe. Martinique, ça qui prend l'enmer, calé Saint-Thomas et ce matin. Moi même devine quitter le tout mal Guadeloupe. Et fait 3 mois Guadeloupe. Là on fait Guadeloupe, fait 3 mois Guadeloupe, mais Guadeloupe là c'est tellement pays qui dit tout le monde vit Guadeloupe plutôt vivre Haïti. Et puis mal qui Haïti? Il pas plus mal parce que Haïti nous moins fonctionnement c'est monde qui dans théâtre qui la donne parce que il vraiment dit et même monde qui n'a pas pour le travail avec ou pour ne pas gagner papier ou pas le travail. Et sous le travail, immigration tabarou avec rat travail sous rat travail dans valise ou y a des poto. Avec moun ou pour le travail là tous les gens amène contre avance à Bali. On fait 3 mois après ça me quitter, me retourner la Dominique entre la Dominique, font petit temps la Dominique après ça. Matin ce matin. Pendant ma matin ce matin, nous prend bateau, on fait 3 jours sous l'ambe. Je suis arrivé ce matin. Bon côté, l'ambiance était un petit genre à bail problème. Nous faisons un petit scal qui est en Saint-Kit. L'autre Saint-Kit, il y a Saint-Kit Nevis. Il y a Saint-Kit. Saint-Kit Nevis là tout près avec Saint-Kit. Mais on passe sur Saint-Kit pour aller à Saint-Kit Nevis. On a alors fini quitter Saint-Kit Nevis et on continue pour entrer ce matin. Et il arrive ce matin, font titre ce matin après ça, immigration pour lui, il voit en Haïti. Mais là c'est tellement gain immigration en pile immigration. Ce matin, ça veut dire qui année où tu es arrivé des poteaux là. Je pense en 2020, parce que tu as fait 10 ans d'yo. On fait 10 ans d'yo. 2020 qu'on est arrivé à Haïti dans moment pandémie, comment ça t'est? Bon, dans mon pandémie, pas tellement de problème parce que normalement, fait nos familles qui étaient ensemble et qui consacrent le monde tout et nous vivons ensemble, on était à l'aise. On était à l'aise. Malgré les mouvements de l'autre bois, on était exigé pour me partir. Mais moi, je dis, ah, je fais trop d'expérience dans la partie, je fais trop d'expérience. Je dis, je suis un petit monde, mais bon, je suis là quand même. Je fais un petit temps de vivre, je finis. Mais au même temps, on est comment mieux. Puis, l'homme de yo, et puis tout le monde apprécie tout, c'est Renel. Et puis, yo dégage, yo dépense comme yo, oui, Mexique. Mais, je suis venu au Mexique avant ça, tout. Oui. Tant. Ça veut dire que tu as fait 2 ans de yo, de 2020, qu'on a là, c'est, ça fait combien de temps pour Mexique? Non, à peu près 7 ans, parce que je suis venu quitter Haïti en 21 octobre. Ok, ok. Je suis quitté Haïti 21 octobre. L'année passée, c'est l'être venu ici. Je suis venu ici. On vient ici, même pas de la ville.
Regarde là, mais... Même pas de vision pour venir au Mexique, parce que je ne vais pas venir dans ce pays. Je ne vais pas dire que le Mexique est un pays, non. Mais j'ai des pays, je ne vais pas passer dans ce pays espagnol, ça, parce que je ne vais pas vraiment parler espagnol, vous comprenez ça, vous voulez aller qui côté direct aux États-Unis? Vision, c'est Canada ou bien États-Unis. Je suis en processus pour m'entrer à la France. Tout le monde est fini réglé, mais il y a un Chinois. Il y a un Chinois qui fait pendant que je suis en papier, il y a un Chinois qui est passé, il est en vacances. Et puis pendant que je suis en vacances, et puis tout le papier est fini réglé, il est même là pour le signer. Depuis que je suis en train de signer, il y a une possibilité pour me rentrer en France. L'invité pour le signer, c'est Rachel, il rachète le papier, il tire le papier dans le passeport. Après ça, il est tout allé là pour vacances. Après ça, il est venu. Après ça, il est venu à Belize. Tout le monde m'a demandé, je me dis comme ça, je vais à Belize pour passer par Belize pour entrer au Mexique. Belize est assemblé faire frontière. Il fait frontière à Mexique, mais. Oui, il fait frontière à Mexique. Il fait frontière à Mexique. Mexique-Guatemala. Oui, Mexique-Guatemala. Je me dis, je ne vais pas venir au Mexique. Et la majorité du monde, tout passe au Mexique, je connais qui savent qui est Mexicain, qui est jeune. Je me dis, je ne vais pas quitter le passé au Mexique. Mais là, après, je ne vais pas avoir le choix. Et puis, tout ça m'était dans ba m'était appliqué mais tout dans Biden il va tomber il la game là posé mais en réalité Mexique là son bon côté parce que là vivre au côté ou à l'aise les pas même j'entends tout temps de voir mon a parlé en République dominicaine immigration a bay mon problème si on mon vit Mexique ou à l'aise dès qu'on sort à faire ou à l'aise. Parce que normalement, on côté me venir, depuis me venir, me déposer pas sur mon côté. Pas marcher avec. Pas marcher avec. Là, on fait processus pour légal Mexique. Bon cher, on pas faire processus là non, parce que pas venir pour décision pas de courir au Mexique. Mais ça que pas courir au Mexique parce que j'ai un petit petit ensemble avec un petit petit là pour faire me lier. J'étais jambe ici ensemble avec. Mais si me dit vous compte même t'as fait processus pour légal parce que ou gain l'au Mexique. Ou des possibilités pour entrer forme ou pour légal ou des possibilités pour entrer forme plus facile et sous entrer forme plus facile l'offre les entrer États-Unis ou des chances pour entrer États-Unis avec tout forme qui cap à l'aise mais Mexique en réalité Mexique sont bon côté comment place ça est encore Alameda son bon côté l'a regardé Mexique l'a regardé là où est malgré la fait vraiment fait chaud il fait chaud gentil vent bah ça yo on regarde toute monde net chita et puis okay. Avant milieu. Ou là depuis octobre. Est-ce que c'est craser groupe, refaire groupe dans CBB1 qui faut pour qu'on ait un accès pour venir pour entrer. Ça qu'arrive bah il y a un facteur de chance. Ça qu'arrive là pas de beaucoup arriver même juste parce que c'est pas de jamais entrer dans groupe. Vous faites pour compte? On te fait là avec une nièce mais jusqu'à présent c'est même jusqu'à présent me fait presque me bral fait 5 ans même 10 ans me bral fait 5 mois après ça me fait entrer dans groupe. Bral gagne au moins 15 ou 16 jours sur groupe là. 15 jours dans groupe là. Allez de craser un premier groupe quand même. Non, il pas vraiment craser non. Nous c'est, et nous te fait mais pas vraiment craser. Ça qu'arrive on l'est depuis groupe là bail problème qu'a dit m'pas sorti dans groupe là et puis m'était sous pas non. Ah, allez de café des comptes. Hier, on fait. Quand entrer dans le groupe, on garde le compte personnel ou on demande les souliers. Non, pendant le compte personnel, on ne peut pas demander les souliers. Quand on est là, on demande les souliers, on crase l'autre compte là. L'autre groupe là. Okay. Quand on est là, l'autre groupe là, on demande les. Moi, on ne peut pas demander les. Le groupe là, il y a au moins 8 personnes là-dedans. On ne peut pas demander les. On ne peut pas demander les sous-femmes. Non. C'est le groupe là qui demande les. Il y a un monde qui est responsable pour demander les. Les a tombé. 8 personnes, tous les 8 personnes qui sont là, tous les 8 personnes qui sont bon seul. Et si nous allons aller tout le bagage. Ok, et avant même que nous arrivions dans Monterrey, l'autre est atterri à Nicaragua. Comment trajet a-t-il pour arriver au Mexique? Quand tu partages l'expérience avec nous? Nicaragua, lui-même, pas courant en pile. Mais pendant pas courant en pile, il faut que les gens aient un cœur pour faire. Parce que l'homme qui était à un airport, tout s'est levé dans 3 heures. Puis, parce que je suis arrivé à Nicaragua, à peu près 6 heures. Quand j'allais arriver au Nicaragua à 6 heures, je prends un petit temps pour me checker, je paye $160 américains dans l'aéroport Nicaragua pour checker, après ça, je vais sortir. Dès que l'autre monde avec nous, l'aéroport nous arrive, pendant que nous sortons, et puis, dès que l'autre monde dit, ah, nous ne pouvons pas nous, on avance. Nous prenons un taxi pour $20 américains, par tête,
pour mettre nous sous frontière en 10 races. $25 Non, $20 m'ai payé ça. $20, ok. J'ai payé $20. Pour mettre sous frontière en 10 races. Les mouvés sous frontière, quand il y a un petit champ de côté. Quand il y a un chauffeur taxi, il dit que les gens ne parlent pas, ils qui dans la ligne là, la peine nous font titan là parce que soleil est accouché ou pas venir puis il y a la traque à nous puis devant parce que même gens tout côté toute zone gain volé là tout sous frontière on dirait ça qu'on y a le font titan dormi si on dit qui côté nous on paye $20 américains nous chita son chaise yeah. nous paye $20 nous chita son chaise tant les arrivé elle est arrivé puis gagnon. Comment on dit, mes gens, tant que je dis bon guide qui pour payer $5 américains et puis pour aller passer au lagon immigration qui est vraiment danger. Il y a la guide là invité immigration ensemble avec nous, il passer non rager et puis vous allez passer non ragba et puis nous venir sortir dans vraiment route nationale là. Là nous venir sortir dans route là. On y a là il y a mettre nous dans station bis. On y a l'infin prend bis. On allait nous OK nous tout point nous depuis nous arrivons dans station nous tout on dirait de là nous prend bus pour nous aller Guatemala. Yeah, nous prend bus pour aller Guatemala mais bus ça nous prend les nous arrivons bon côté aller pas comme si c'est un réfugié là les arrivés ou supposé descendre là pour aller checker l'arrivé pour aller checker au moment c'était dans $50 ou bien $60 américains comme ça on a l'offre pour un bus là l'arrivé en ville on dirait là. Ou bien pour descendre bis là encore. Ou pour aller retourner checker encore. L'offre checker. On y a la bis ça lui-même. Qui ou te venu. Bis ça après l'offre checker. Ou font l'homme de temps. Mais c'est tout. Mais ou font un café, on est pour 3-4 temps. Mais bis là arrête ton nous. Bis là arrête ton nous. Tout bas où était la donne, valise où était la donne, bis là arrête ton nous. On y a l'offre checker. Et puis bis là. Nous partis. Nous partis pour Guatemala. Pour on dit on dit à Guatemala comme c'est quoi faire un jour et demi tout parce que l'aime quitter on diras on pense me quitter on diras dans 5 et 6 après midi je fais toute nuit là dans pour machine fait toute nuit là machine là pour l'aime vont côté marche biscuit qui était là avec nous l'aime vient on parle il pas fin continuer avec nous il mettait nous à terre qu'on y a fait nous pour l'autre bis encore même bis ça sous même comme là. Nous faisons l'autre bus pour Fonte Guatemala. Donc, on fait sur Fonte Guatemala et puis on met le water. Et puis, ou pas passer Guatemala. Ou pas passer sur Fonte Guatemala. Non, vraiment, on est là pour aller. Dans l'immigration. Dans l'immigration, on va passer. On a un petit route rager ou dévier pour aller passer par l'air. Mais vraiment, on guide tout. Vraiment, on guide tout pour guider, pour qui pour. Qui pour l'arrivé OK l'arrivé sous frontière Guatemala gon guide qui pour qui cap guide dit pour aller pour ca aider pour aller pour entrer en Mexique et pas en Mexique ta voiture là tout pour entrer ta voiture là nous guide qui là oui toujours gars ou c'est agence qui bon guide là même c'est pas vraiment agence ça non guide agence tout mais c'est vous même de pour arriver au checkil pour parler ensemble avec les deux combien pour vous même soit 7 heures 7 heures. Parce que de vous pas qu'on pas couyo c'est une tour et donc on est arrivé li faut passer non ti route et puis pendant faut passer non route là et puis alterne puis devant les rive puis l'alterne puis devant là l'alterne puis devant mais pendant l'alterne puis devant li gon moun ensemble avant qui pour guider au côté pour passer mais vraiment moun tête en tête là qui des machines là l'alterne puis devant qu'on est arrivé ou monte machine là il faut monter machine wal dans hôtel. Les mouvés dans l'hôtel, ils payent $250 américains. Nous payons $250 américains. Mettez-nous dans la voiture là. Quand nous avons $250 américains, nous payons les hôtels là-dedans pour nous, nous payons manger tout. Et puis, nous avons ils font tout. L'hôtel là, il y a presque. Il y a 50 personnes. Il y a plusieurs personnes. Nous avons assez. Les prend nous, les mettent dans la machine et puis nous monter. Toujours même Guatemala. On y a nous monter. Les nous vivent sous frontière les nous vivent sous frontière Guatemala entre Mexique ou Guadeloupe aujourd'hui. Et va-t-il de l'eau?
au bout de l'homme, gros chambre, on fait un bagage avec chambre, chambre ça, on fait un bain, c'est chambre. Et pas chambre machine, ça, on est l'homme. Ça, on a les vigos, vrai. Chambre tractée. Quelle est chambre tractée? On vient de faire 10 là-dedans, il y a ton nid. Puis d'ailleurs, on a ton nid là, et puis on mette place sur les bails pour monter. Mais si on peut, on va monter. Et je de l'oreille à tout, on va dire ça. Si bails, ça t'a fait un petit chavis, on s'en va voir comment faire son vie. Mais vraiment, je ne dois pas tellement fort. Mais je n'y ai pas, je de l'oreille à, on va pas peine. Quand il y a l'arrivé, même sous même $250, ça, on fait tout pas comme ça. Là, on finit jamais de l'eau. Quand il y a même guide la gueule, on parle, qui vient chercher, qui pour arriver ta voiture là. Là, on finit pour marcher ça. La machine n'est pas arrivée ta voiture là, ce moment-là, nous. Non, pick-up. Pick-up là, mettons en côté. Côté là, le métro là encore. Là, côté là, le métro là. Et comme si non, on caille. Mais comme si, le bout d'un route là, c'est un business lié. Son business lié. Le pendant la route là, il a mis non long là. Le pendant nous là, même mettre la quoi dit bon côté pour nous passer avec nous là, pour nous chaque bail $5. Puis chaque bail $5. Il y a chaque bail $5 et puis la marche a continué sur la route. Là, il y a un petit pont, il fait avec. On ne doit pas reconnaître ça, mais la Tibonite est gagnée. On passe sous le bac de la Tibonite, on a un cab. On ne peut pas reconnaître le cab. On a un cab, on met le campé sous le pont. Mais on a des planches. On a des planches. Pour le monde passer. Pour le monde passer. Mais on a venu, on vient de lier. Mais la machine ne peut pas passer. Pas de machine pas passer. Ça c'est le rapport Mexique. Oui, le rapport Mexique. OK. Qu'on y a là le fin jambé et puis le fin jambé pour un fond petit marché. Après ça même guide ça encore et puis un taxi qui vient chercher nous et puis il mettait nous ta voiture là. Dès vous ta voiture là tout, les finavo. OK, l'autre arrivé ta voiture là. Vous te dit comme ça gagne monde qui t'a dormi dans la rue par rapport à quantité monde qui t'a gagné, pas de hôtel, pas de caille pour fermer. Comment tu vis moment ça ta voiture là? Les bruits de ta voiture là, bon, bah, on a une bonne chance pour moi. Tout est gagné pour le monde. C'est le monde qui gagne pour le monde ta voiture là. Les bruits de ta voiture là, bon, j'ai une bonne chance pour moi. Ma peine descend de machine, même côté de descend de machine là, t'es gros là, tu t'as tombé, même côté à venir au monde. Il parle au Mexique, non, mais il était ta voiture là, mais ce gars-là, son diversité et tout. Mais les gars-là, t'as coupé son monde, comme on dit ça, t'as coupé ses gars qui vont louer. Ils ont pas compris comment dire. Comme si sont des marchés liés. Dizi nous gon kaye qui disponible si nous pour aller pour nous cal la donne qu'on y a un tétoile la donne même côté nous descendons et puis nous tout prend en bis et puis mener nous dans cal là on te fait au moins une semaine ta voiture là après ça moi monter Mexico. OK, comment tu fais pour arriver dans capitale Mexique là qui c'est Mexico City? Est-ce que trajet a été douce? Non, trajet a pas difficile. Trajet a pas ni pas douce et pas pour autant qu'elle vienne plus difficile. Parce que les Mapute, les Mapvini, Mexico, la capitale là, moi fais un ticket bis pour peut-être qu'il y ait un billet cotisé. Ah, moi un billet qui cotise zone là. Il fait ticket bis là, bis là pas arrivé avec nous, parce que c'est tellement de immigration en route ça. Les nuits, ils mettaient nous à terre, toutes les structures à pied nous fait. Nous passons dans rage, des outrages, des outrages. Mais est-ce que tu as nous fait marcher comme ça, dans route à pied, pour vivre au Mexico? Mon cher, nous presque fait 12 heures de temps, hein, à marcher. Parce que d'un côté, nous prenons un taxi, nous payons taxi, taxi après nous mettons nous là, parce que pour éviter l'immigration, d'un côté, nous marchons à pied, nous marchons à pied, nous prenons un taxi. Pour juste nous arriver dans la frontière, et pas dans la frontière, non, pour nous arriver dans la parade. Parade, ça m'a oublié qui côté. Oaxaca. Il est passé là. Il est passé là. Il est arrivé là pour aller faire un ticket bis pour monter au Mexico. En tout cas, comment vous avez dépensé de sortir de ta patrouille là pour arriver au Mexico City? Je dépense un petit peu, même pas. L'on fait où ça, on va le faire contre toi. C'est le canon 10 000 pesos ou 8 000 pesos. Je ne sais pas si on tout ça, parce que la première fois que j'ai arrivé, j'ai trouvé $100 américains pour moi. C'est
Tout est passé dans la route là? Tout pas vraiment passé parce que nous étions en train de vivre au Mexique, nous étions en train de vivre. Après, nous étions en train de vivre au Mexique. Même pas vraiment contrôler les cobs, qui me dépassent. Même quand je me dépasse un petit cob. C'est ça que je dis au monde. Depuis que je viens au Mexique, il faut que je gagne un monde parce que la route là, je demande de l'argent. Il faut que le monde n'a pas coûté, comme je dis ça, l'argent. Ce qu'il dit au Mexique, c'est si on a vu le Mexique à l'aise, non. Depuis son pays, qui pas ouvert pour lui, qui a vu là-dedans direct, ou pas de visa, ou a vu là-dedans direct, c'est pas là qu'elle doit venir. Il n'y a pas de bon moyen. Pas de bon moyen. Ok, quand il y a arrivé Mexico City, combien de temps tu fais Mexico City? Moi, je fais un mois à Mexico City. Vous êtes dans le travail, tout ça? Je suis dans le travail, mais je suis dans un petit genre. Vraiment dit tout. Et puis, il n'y a pas de payer. Il n'y a pas de payer bien. Je devais quitter, monter mon télé. Ok, là, pour venir monter, comment trajet est-ce qu'il est difficile même avec l'autre qui est à Pachou là? Non. Trajet mon télé. Comment tu fais pour venir monter? Moi, je fais un petit kebis. Je fais un ticket bus pour 8h10 du soir. Dans 8h10 du soir, je suis à la caille, je vais faire ma lettre et puis je vais aller dans le terminal. Quand je vais dans le terminal, je fais un petit temps 8h, je prends un bus. Je vais dans la route, il y a une immigration dans la route. Mais parfois, il y a un côté, je demande un petit monnaie, au cas où on descend en perso, au cas où on descend en 150 perso. Et puis, je vais finir par aller. Il monte machine là et puis je suis arrivé monter là il monte dans terminal là monte dans terminal là et puis descend et puis moi les monde qui viennent chercher non m'en est les villes viennent chercher comment aider ton défunt en route pour t'arriver moi parti moi quitté en Mexico City à 8h du soir je pense que je monter là dans midi 11h pour midi 11h pour midi yeah. OK et quantité monde qui vont venir monter ray yo veut tourner Tabasco. Ça cause de carrefour au monde tourner par exemple dans route là. Normalement. Parce que j'en parle au monde qui est facile pendant ce temps que vous tourner. Oui bon, c'est un peu là. Tout ça qui a fait un facteur de chance lié. C'est même genre tout. Mais ça, j'en fais quand même son facteur de chance là. Même genre tout, moi même l'aime d'avenir. Premier ticket bis, on t'a fait pour monter mon télé là. Ticket bis ça a été éliminé. Moi t'ai fait pour. Moi t'ai fait pour 6h30. Distance pour aller dans la zone côté de la pour aller prendre ma lettre pour venir. Les gens qui ont l'ouem tout, les gens qui ont dans le terminal, ils sont à 6h30 là. Bis la guette a dérapé, ils ne pas en monter. Quand il y a un ticket à éliminer. Combien de tickets ça a dégoûté? J'ai payé 1000 pesos. Quand il y a là, moi-même qui ne parle pas, rete encore dit quel que soit l'aile il a faut aller dit on a la moitié dans fond le ticket même côté là pour 8h du soir. Ah OK on a la tout gain fait ticket pour 8h on fait le ticket encore non on a peut tout gain à faire dans même tout retend 8h du soir. OK on a les 8h du soir on prend bus là déraper et puis non, bis n'a vini qui était dans 5h du matin, qui était là 5h du soir. Bis a arrivé dans la route. Il était bloqué le tout. Il était campé. Bis a tout. Ça veut dire que le premier du soir va venir là-dedans. Il était campé. Ça veut dire chance qu'il fait ses deuxièmes. Oui, nous, tout ça qui a fait un facteur de chance. Bis a retourné. Immigration pour nous retourner tout le monde s'est battu là. Ah, wow. Et là, nous avons dit que ça, bis qui passe là, bis ça et bis 5 liés. Immigration pour nous retourner, nous avons plaisir. Okay. Et moi, nous sommes devenus, nous avons dit ça, nous passons à l'aise, nous n'avons pas de problème pour juste. Nous avons mon délai. Vous êtes là où Monterrey? Et pratiquement, ou gen environ 4 mois ici là, si je fais bien, si je fais calcul là, 4 ou 5 mois. Moi, je viens là depuis décembre. Je viens là depuis décembre. À mois de mai, combien? Plus que 4 mois. Environ, il y a 4 mois, ouais, dans 5 mois. Je viens dans 5 mois là. Oui, je viens dans 5 mois, mon délai. Ok, quand y a là, l'arrivée aux États-Unis, quel objectif vous-même? Bon, objectif en pile. Objectif aux États-Unis en pile, parce que non seulement objectif en pile,
Moi, je suis dans la famille. Maman, j'ai 8 petites. 4 filles, 4 garçons. Nous mettons toutes mes têtes ensemble. Parce que normalement, depuis que je suis aux États-Unis, si j'ai un peu qui peut entrer dans les choses, moi, il faut que je fasse des marches pour moi si je peux entrer. Tout. Parce que c'est pas comme ça que nous faisons tout net. Est-ce que vous avez une famille aux États-Unis? Yo c'est États-Unis, une des grandes femmes qui est États-Unis, tout le monde est Canada. Et parce que c'est une qui est allée qui a été toute la tête, mais même gens moi-même tout mal et tout, et même gens tout mal et faut me faire effort pour l'autre jour. Bah pas loin des plaisirs, des belles bagages. Pour d'abord moi depuis quelque soit côté moi j'ai moi famille avant tout bagage. Comment ça me dit là moi famille avant tout bagage. Je me suis posé à le travail. C'est même gens pendant là, nous avons fait pousser 6 pour l'autre femme de venir. J'étais passé par ici pendant que nous avons pousser 6 pour venir. Et puis, voilà, Nicaragua est venu bloquer et puis lui-même et tout. Il est à Haïti. Et tout est à Haïti. Ok. Pendant que vous êtes là, Mexique, vous dites comme ça que vous n'avez pas fait des marches pour être légal dans Mexique parce que ce n'est pas de rêve là ça. Mm-hmm. Et si toutefois, demain, si vous avez attendu ou annulé CBP1, tout le monde a obligé de rester ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, normalement, depuis. Yo ani le CBP1. Regardez, je sais, mettez tous les calou fini, pas gagner les chevalou. C'est chercher que va bien. Ça va faire un gros impact sur si toutefois toi pour arriver là pour pas entrer aux États-Unis. Il va faire un gros impact sur moi. Non, pas tellement faire un gros impact. Seulement de vous gagner possibilité. De vous gagner possibilité, gagner des bagages. De vous gagner possibilité en côté, mais ou gagner papier, ou rentrer femme, petit tout, gagner ça au bail ça. Pour rentrer chez vous, pour rentrer madame. Même si je travaille au Mexique, mon petit Jean-Baï, c'est vrai. Mais là, on va obligé de compter parce que c'est le principe pays. Comment mon petit Jean-Baï là? Dans qui sens tu travailles mon petit Jean-Baï? Normalement, je ne travaille pas vraiment en pays, je pense. Et même si je suis au Brésil, on a dit, le Brésil, il y a une possibilité pour faire intérêt au Brésil, mais pour faire intérêt, il faut que les femmes, petites, madame, beaucoup de tout. Comment vous touchez dans le travail où il est actuellement? Actuellement, là, je suis allé toucher 500 pesos. 500 pesos par jour? Par jour. Parfois, je mets les 100 pesos, je travaille de 8h du matin pour 8h du soir. Voilà, je touche 4000 pesos par. Par semaine? Par semaine. Mais qui sont travaillés même? Je suis dans la construction, parce que je suis professeur de construction. Ok, on a touché 4000 vaisseaux par semaine. Yeah. Et vous toujours fait, vous faites environ 16000 vaisseaux par mois. Exigiblement. 16000 vaisseaux égale à environ 1000 $ américains. Par mois. Il y a environ 1000 $ américains. Ça veut dire 1000 $ américains pas suffit pour gérer bilo, pour gérer toutes les dépenses et puis pour voir comment on a été tout. Il était cassé sur lui, mais c'est façon. Je sais que ça, comme du pour à l'aise là, c'est si fort monter là. Parce que normalement, chaque semaine, nous touchons, on gagne pour payer. Quand on paye, on chambre quand 1000 pesos par semaine. Quand il faut tout, on paye 1000 pesos par semaine. Yeah, on paye 1000 pesos par semaine. Pour acheter moins. Moi, on paye 4000 pesos. Yeah. Mm-hmm. Ça va dépendre tout, gagne pas qui peut chaque semaine. C'est pas mentir. Combien de temps vous avez dépensé pour manger comme ça dans un mois? Mon cher, je ne vais pas faire évaluation parce que l'on a dépensé, depuis qu'on a dépensé, il y a des contrôles, on parle de faire. Tu penses que 4000 pesos comme ça, on a mangé? Non, bon, vraiment manger parce que normalement, nous connaissons chaque semaine, je me touche, je vais tirer 1000 pesos pour me faire complet, pour me mettre dedans. Et puis pendant notre travail, il faut acheter même. 1000 pesos pour faire provision par semaine, nous dépensons 4 à 5000 pesos par mois. Oui, dépenser. Oui, c'est le dépenser. Elle dit 1000 pesos dans le Mexique, la suffit pour c'est si tout le monde était avant. Oui, la suffit pour. On parle de tout le monde, on parle de madame ou petite ou qui est madame petite Haïti. Oui, yeah, je suis petite en Haïti. Vous n'avez pas de madame? Oui, je suis madame quand même. Vous Haïti. Yeah, si vous êtes ici avant, vous avez fait plus d'économie. Vous avez fait plus d'économie. Ok. Vous avez fait plus d'économie parce que normalement, nous avons fait un petit là. L'offre pays qui a géré manger, si vous respectez, vous pouvez le bâtir. Vous pouvez le bâtir à l'école. Vous pouvez le bâtir. Vous pouvez le bâtir. Vous pouvez gérer le bâtir. Ok, l'arrivée aux États-Unis, qui coule loi vous dit que vous avez passé pour arriver légal aux États-Unis, l'entrée dans le CBP1?
Oui, mais pour l'arrivée aux États-Unis, le premier bagage qui passait, le premier bagage qui gagne, l'on passe dans le CBP, non? Comme si on allait aux États-Unis, légal. Mais pendant, pour l'arrivée à même, il faut même faut aller arranger des papiers pour faire tout, parce qu'il faut aller. Le premier bagage qui arrive, il y a un papier, on dit, on va faire application asile. Parce que ça, on va faire, il y a une date pour aller passer pour aller dans l'immigration. Pour aller faire asile. Pour aller faire asile. Malgré que je ne dois pas faire tout, action sur carré, je ne dois pas faire tout le temps aux États-Unis, je ne dois pas faire asile. Bon, comme il faut qu'on arrive, il y a des bagages qui sont arrivés, les mouvés. Les soins découvrent. Ils découvrent, il y a des bagages qui ont fait tout, des bagages qui ont fait tout, des bagages qui ont fait tout. On s'en dit là. Dans ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas senti madame ou petite ou famille ou manqué dans le temps que vous faites de là? Non. Normalement, là, toujours encore parce que des fois, si mon baba couteau, pas la mettre forme, on sont nos bagages. Des fois, pour même tout parce que pas cela, on quitte. Oui, mais je dis à la n'importe où. Des fois, pour même tout, elle est toute nette, oui. Non, mais différent. Bon, parce que moi-même là, ça qui bloque pour me caler madame, petite moi là, son visa dominicain parce que je suis résidé déjà moi-même. Oui, ok, bon. Mais ou même non, ou nous parlons de ça, non, on est qui les ouais pour mon zao. Non, même pas qu'on est non mais. On est dans combien d'années? Et tout on peut qu'on statue légal les États-Unis, on peut pas aller à Haïti, on peut pas. Bon, si on fait asile, mais on peut pas aller à Haïti comme ça. Après 5 ans, si bon. Yes. Non, mais dès que je voulais les mecs des États-Unis avant, mais N'était plus quoi de TPS là. Mais est-ce que pendant que vous là, vous pensez que vous qualifiez pour TPS là? Si vous qualifiez pour TPS là, vous qualifiez pour TPS là, vous avez des chances pour vous payer là. Et dans le pays où vous Haïti, vous avez un calme pour moi après ça, vous retournez. Mais asile là, mais vous avez fait application. Vous avez dit que vous avez fait application asile politique là, vous n'avez pas fait demande pour TPS. Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas arriver aux États-Unis, je ne peux pas vraiment connaître. Excusez-moi, quelqu'un qui a regardé là, qui a un commentaire. Est-ce que quelqu'un qui a dans CBP One yo, a qualifié pour TPS? Est-ce qu'il a toujours fait TPS? Est-ce que si quelqu'un fait demande d'asile, est-ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un qui a regardé là, qui est aux États-Unis, qui plus ou moins a une idée, qui a un commentaire? Parce que moi-même, je ne connais pas vraiment. Parce que. Je domine le thème ça. Parce que normalement, vous entendez parler de ça? Est-ce que soit faire application asile pour asile politique ou pas de possibilité pour faire pour qualifier pour TPS? Yes. Okay. Mais asile là lui même là il fait trop tout. Il va pas asile là. On va plus tout. On va arriver si faire TPS sans garde toute chance pour me jambe Canada tout. Ça va dépendre de ou bien fami Canada? Eh, moi fami Canada tout. OK. Parce que petit petite femme non. Si visite là, à visite là, venir c'est Canada à papa lui. Il faut quoi avec le Canada pour lui? Faut mener le Canada. Non, pas forcément. Si moi vais aux États-Unis, ça malaise, je travaille malaise, bah, je fais visite aux États-Unis. Même si visite la carrière aux États-Unis, tout côté avec ça, non, je fais tout bagarre pour lui. C'est si moi les conditions pas réunies, fonctionnement yo contingent et puis une carte là du Canada. Ok, alors déjà Mabdou, merci de ce côté choisi. Partager expérience ou et dans voyage ou sur plateforme Léona Choua. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier mot qui va vous faire la population haïtienne au niveau d'Haïti, dans l'autre pays, quelques mots d'encouragement? Oui, yeah, moi, sincèrement, je dis, depuis que monde qui a Haïti, des possibilités, qui a parti, je considère faire expérience. La dépio. Parce que expérience, l'on vit pas si bien. Son l'autre expérience liée. Parce que l'on a été, il n'y a pas même bagaille l'on ou dans le pays blanc. Parce que moi, quand je côté mia, chaque monde, moi, les Haïti, je dis, bon monde qui parti, on content. Content. Yeah, moi, je suis content. Si tout Haïtien a quitté Haïti, je suis content. Quel vrai, je ne peux pas me quitter, oui. D'accord, d'accord, ami, merci en pile. Je pense que nous avons croisé dans l'autre occasion. Et m'ta remet les lèvres à tomber pendant qu'on va le célébrer pour nous faire un petit coup de vidéo. Non, encore. Et pas seulement là, seulement parce que j'ai plaisir à côté vous là, parce que pas courant en pile.
Parce que je dis pas vraiment son bail. Son bail est pour nous planifier. Ou même, je dis, je viens ici, je dis, ok, je vais partir ensemble avant, je vais faire quelque chose. Nous faisons une belle interview là. Nous faisons une belle vraiment intéressant. Yeah, bon. Et bien d'accord. Et merci à tout le monde qui t'a regardé. Là, nous sommes en place à la MEDA. Et puis, après, dans une autre vidéo, là, nous sommes en Mexique, dans Monterrey. N'oubliez pas de quitter vos commentaires. Abonnez-vous pour vous abonner. Suivez-moi de tous côtés. Et puis tout, après. Leonacho. Leonacho, LS dans Mexique. La vie haïtienne en Mexique.